Yep, tout le monde et bienvenue dans l'épisode 2 d'Agrarian Sky. Bonjour tout le monde. Wouhou. Ça y est, j'ai un bel arbre. Un bel arbre qui a bien poussé. Je commence à manquer de bouffe et j'ai pas forcément ce qu'il faut pour manger. Les pommes, j'ai envie de les garder. Si on peut obtenir des belles choses avec. Des belles tartes, ce genre de choses. Et un. Ah, c'est à partir d'un sucre qu'on fait ce genre de choses. D'accord, et ça fait une apple sauce. Donc il faut un pot. Et le pot, il faut de l'aluminium. C'est peut-être pour ça que j'aurais dû prendre un pot, moi, l'autre jour. Ici, ou là. Ah non, c'était pas là, c'était là, non plus. C'était où? Pas là, pas là. Ici non plus, ici non plus. Là non plus. String, encore moins. Pas là non plus. Oh, bah c'était où? Barrel? Non plus. Cobble? Non plus. Seau? Non. Ça? Ah oui, ça du coup. Ok, il faudra un pote. Parce que ça, on n'en prend pas forcément. Donc du coup, il faudra un pote quand on fera du kill. Donc c'est kill the squelette et kill the zombie. Ok, c'est parfait. Donc ça, on en reviendra après. Du coup, nous, on en était à... Bah justement, je vais monter dans l'arbre. Parce qu'il va falloir quand même que je récupère tout ça. Je pensais pas que non plus que ça allait faire un aussi géant arbre que de ce qu'il y a actuellement. Les pousses, c'est important. Pourquoi? Parce que vous allez voir juste après. C'est grâce aux pousses qu'on obtient de la dirt. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Voilà, j'ai fait quoi là? Ok. Hop, creuse. Bah, on mine tout ça. Donc en même temps, on fait du parcours de jump. Il fait noir comme tout, on voit absolument rien. Et en plus je me suis pas mis en fancy. Fancy c'est quand même mieux. Hein. Hop, de dirt, c'est pratique. Il est encore monté, t'es où? Eh ben on monte. Hein. Ah voilà. Donc là, on est en train justement de faire tout ça. On récolte tout le bois qu'il y a. En espérant qu'on n'en loupe pas beaucoup là-dedans. Ça me ferait un petit peu chier de remonter. Voilà. Là, il y en a un là. Bah, ça devrait le faire, je pense. Au pire, je vais faire une autre table de craft. On va faire un skook, un crook. Voilà. Ouais, je les avais pas vus, eux. On obtient des pommes, c'est bien. Ah, il y a encore ces bois-là. Hein. Allez. Récoltons-nous tout ça. Hop, on récolte ça. Est-ce qu'il y en a un autre là-bas derrière? Je pense pas. Eh bon, on peut récolter ça. Voilà. Puis là, ça est en train de dépop de partout. Donc je pense qu'il y a absolument plus d'arbres. Il y en a un là, ouais. Ça, j'avais vu. Hop. Tac, tac. Là. Ah bah c'est parfait, c'est en train du coup de tout virer. Je récupère les troncs, je récupère ça. Et on peut descendre. Voilà. Bon, c'est bien que ça fasse du bois, hein, parce qu'au moins, au moins ça récupère tout. Attends, je vais arrêter de courir parce que ça sert trop à rien. Bon, ça va. En 7, j'en ai 8. Plus tout ce qu'il va y avoir là-dedans, je pense que c'est bon. Voilà, ça va dépop. Donc, du coup, pour faire de la dirt, en fait, vous faites un clic droit dessus. Vous avez besoin de 8 pouces pour obtenir une dirt. Hop.
je bouffe la pomme, ça fait une petite pomme de plus. Du coup, c'est en train de se composter. Donc, à partir de là, à partir du bio, en ayant 100%, ça va obtenir de la dirt. Eh bah tiens, on a deux pousses de plus. On va peut-être pas les mettre maintenant parce que si ça me refait des arbres géants, ça va pas le faire. Juste sans. Ah non, c'est. Je pensais qu'il y avait encore une bûche à l'intérieur. On a des vers, on a des pousses, donc tout ça va bien. Donc vous voyez, là, déjà, ça a changé de couleur. Ça devient comme le biome savane, la dirt. Et puis ça va devenir petit à petit marron. Brun plutôt, justement, comme la dirt. Voilà. Et puis ça change de texture, donc en même temps, c'est sûr de ne pas le rater. Donc, ceci étant fait, bah, lui il est en train de dépop partout. Donc, ça fait quand même beaucoup de sapling. C'est parfait. Moi, du coup, bah, je remets de ceci. Hop. Je remange une pomme. Bah, c'est des saplings, on en a encore 12. Hein, donc, c'est bon. On a du bois. Ça, c'est bien. Je garde 3 dirt ici, ce qui est très important. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Là, bah, de toute façon, ça dépop. Hein, ça va dépoper de partout. Puis ça dépop encore là. Ça dépop même encore là. C'est parfait. 1, 2, 3, 4. Puis encore les saplings qui vont aller là. Donc c'est bon. J'ai aucun souci à me faire. Voilà. Hop. 1, 2. Les vers aussi peuvent servir comme, justement mélange pour obtenir du bio. Donc si vous avez beaucoup de vers. Bah, du coup, vous pouvez obtenir ce qu'il faut. Et puis, on recommence au niveau de la bouffe. Alors, du coup, dans la quête, on va devoir faire un hammer. Le hammer se craft en faisant ça, pas ça. Voilà. Ça obtient un hammer. Cet hammer-là, une fois que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de gravel. Le gravel se fait à partir de la cobble. Vous tapez dessus. Et ça obtient du gravel. Une fois ce gravel fait là, vous avez besoin de sand. Le sand se fait comme ça. À 100% de chance, vous avez de la sand. Une fois cette sand faite, il vous faut de la dust. À partir du sable, vous faites de la dust. Voilà. Et cette dust-là, ensuite, vous la passez dans le sieve. Alors, bien sûr, il faut que j'ai. Ouais. Donc, à partir de la clé, voilà. Ça fait du sable, ça fait de la clé, ça fait de la dust, ça fait du gravier. Donc, à partir de la dust, vous obtenez un type de minerai en conséquence qui. Voilà. Alors, regardez. À partir du gravel, quand on le fait dans le sieve, voilà. Vous avez 6% de chance de drop de nickel, 20% d'iron, tin, du diamant, 1% de chance, du lead, du platinium, d'aluminium, de l'émeraude, du coal, du silver, de l'apatite, du lapis, du copper, du flint. Et de gold, donc ça c'est bon. À partir de du coup de la sande, vous pouvez obtenir du coup, si j'obtiens du quartz chargé, du quartz normal, du gold comme ça, silver, iron, cactus, donc ça c'est important, aluminium, cocobine, exotic seed, ancien spore, c'est pour faire des champignons, du mycélium surtout. Lumber de Tomcraft, du Yellowrium, du Lead, du Platinum, du Tomcraft Quicksilver, du Nickel, du Copper et du Tin. À partir du coup de la Dust, là ça devient plus conséquent, donc c'est plus cher. De la Bone Mills, du Platinum comme ça, de la Gunpowder, du Certus Quartz, de la Powder Aluminium, du Nickel, de l'Iron, de la Dust, de la Redstone, de la Glowstone. Du copper or, du silver or, du gold or, du skystone dust. On va en avoir besoin en plus. Du tin, du lead, de la blaze powder. Voilà. En fonction justement de la puissance de ça, on peut obtenir quand même des belles choses. Alors, je vais récupérer tout ça. Donc ça a pas mal d'épop, c'est cool. Donc j'en ai 4. Voilà. Donc, tout ça c'est cool.
À partir de la dirt, justement, on va obtenir de la cobble parce que nous avons besoin de cobble. Voilà. 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 Oh, j'ai obtenu encore une seed. C'est important. Cette seed-là, on va en avoir besoin juste après. Alors, du coup, à partir de la stone, voilà, ça fait 3 de stone, c'est cool, on est content. On a obtenu une clé. Une clé, on peut obtenir 8 os ou obtenir ceci. Je prends ceci, pourquoi? Ça va nous permettre justement de faire pas mal de choses juste après. Donc, la clé-là, on va déjà la transformer en ceci. Pourquoi ceci? Ça va nous permettre d'obtenir de la lave par la suite. Et par la même occasion, je vais grandir ceci. Voilà. Donc le gravel, on va le faire. On va le passer en fait. On va le passer petit à petit. Ça, je vais le prendre pour là. Au-dessus, c'est tout ce qui est minerai. Oh, nous avons même une cacahuète. Me demandez pas à quoi ça sert, mais on obtient de la cacahuète. On a du bois, on a ça, donc ça je vais le passer. Spawn sheep, on peut le mettre là. Donc ça nous fait 2 moutons du coup. Le sieve, on va le déplacer, le sieve. Voilà. On va en avoir besoin. Donc je vais faire passer du gravier. Ça va nous obtenir justement nos premiers minerais qui nous serviront du coup par la suite. Hop. On va passer à la dust. Nous avons obtenu notre redstone. Nous avons obtenu de la bonne mine et autre chose. Ceci également. Voilà, nous avons rien d'autre. Donc on a eu du gold, la gunpowder, de la bonne mine, de la skystone. C'est bien, du copper. Et de la sand. On va continuer la sand. Hop. Oh, je crois qu'on a eu un cactus. Je ne suis pas sûr, mais si on a obtenu un cactus, c'est parfait. On a obtenu un cactus. Waouh, ça c'est cool. Donc ça et ça, de l'aluminium, du flint. Le flint, je peux le mettre en bas parce que c'est un minerai qu'on n'a pas forcément besoin. Ça et ça, je vais le mettre ça là. Cactus, on va le mettre là. On va en avoir besoin plus tard. C'est parfait. Donc du coup, j'ai 3 de cobble. Ça c'est cool. Donc c'est parfait, on a 2 dirt de plus, c'est parfait, parfait. Du coup, par la suite, on va devoir de la moss stone, que je ne le ferai pas pour l'instant. On va devoir bah, justement avoir 4 broken or d'iron, tout simplement, bah, j'ai justement pour faire ce qu'il faut. Et ceci, on l'obtient à partir justement de l'iron. Ah, on peut obtenir de l'iron comme ça, c'est parfait. Mais c'est à partir de gravier qu'on obtient justement ceci. Alors, du coup, on va passer aux 3 cobbles. Hop. Donc, à partir de 3 graviers, on pourrait avoir obtenu de l'iron. Ou pas. Bah, c'est mal parti. Oh, de l'émeraude. Nous avons la première émeraude. Je vais foutre ça pas là, mais ça là. Donc, vous voyez, à partir de ça, on peut obtenir des belles choses, hein. L'émeraude surtout. C'est très important. Mais du coup, on va passer à autre chose parce qu'il va nous falloir de la cobble. Qui dit cobble dit de la dirt. Pas forcément au niveau sapling, qu'on pourrait l'avoir par exemple. Donc, on peut toujours utiliser bah, justement la skook, la crook. Ouais, croque, croque. Pour obtenir des saplines, les saplines c'est quand même assez cher pour l'instant, donc du coup, on va pas forcément l'utiliser comme il faut. Hop. Donc du coup, bah ça, je suis en train de récolter. Ah, une pomme. Des sapines. Voilà. Du coup,
On associe qu'on peut se refaire une. Ah bah même pas en fait, on se fait ça. Parfait. On fait ça là. Ça je vais foutre ça là. La table de craft on s'en fout. La pomme, on peut s'en servir comme bio aussi, hein. La hache et la matoque, c'est quand même le truc quand même qu'il faut faire au début. C'est très important. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'espère que Pierre va pouvoir du coup faire Agrarian Sky 2 tout seul. En tout cas, j'espère qu'il peut le faire. Parce que je sais que je l'aurais enseigné quand même pas mal de choses. Quitte à ce qu'il m'invite, même si je l'ai fait. Du coup, je vais reprendre deux saplings, du coup, tac, tac, histoire de faire tout pousser. Je vais manger un peu de pommes. Même si ça nourrit pas beaucoup, c'est toujours mieux que rien. Ne pas faire un clic droit sur le barrel parce que ça se sert comme, comme ceci. Du coup, nous en avons trois, donc on peut faire passer les trois dirt en version cobble. Oh, nous avons obtenu du sel. Encore du sel. Ah! Nous avons obtenu du coup une seed. Des pumpkins. Important. Donc des potatoes. Des potatoes seed. C'est très important. Encore une cacahuète. Ah non, c'est pas une cacahuète, c'est une beach seed. Beach pêche. Voilà, et du salt. Et nous avons notre melon. Le melon qui nous servira bien sûr plus tard. Et le cactus ici. Moi, c'est bien, on obtient déjà pas mal de choses. Du coup, bah ça, on fait 3 cobbles. 2, 3. On prend le hammer. Et on taille pour obtenir du gravier. Le gravier, on repasse au sieve pour obtenir tout ce qu'il faut en iron. T'es en train de chercher. Ah ben, nous n'avons pas beaucoup de chance là. Nous avons pas beaucoup de chance parce qu'on obtient en fait du copper. Et moi je veux pas du copper, je veux de l'iron. Donc du coup, bah on va passer à autre chose. C'est qu'on va passer justement à ceci, le croisement. On va commencer à faire du croisement. Pourquoi du croisement? C'est tout simplement, nous en avons besoin. Bah ça, je n'ai pas besoin d'ailleurs. On va commencer à faire le croisement de plantes. Ah, si, en fait, j'en avais besoin là. On va le faire ici. Voilà. Ça, je le garde parce que ça peut être intéressant pour plus tard. Voilà. Est-ce que j'ai encore un coffre? Oui. Ce coffre-là me servira pour pas mal de choses. Du coup, ça. Hop, hop, hop. Alors. On laboure, donc c'est pas besoin d'eau à côté, on s'en fout parce que nous avons ceci qui permet de d'alimenter ceci en eau. On fait ça, on plante nos deux graines et on fait pousser à maturité. Donc la watering can nous permet justement de d'arroser le sol pour obtenir une plus grande facilité de pousse. Donc du coup, voilà, 100 et 100. Une fois que nous avons 100 d'un côté, 100 de l'autre, il va falloir faire un croisement. Donc deux clics pour obtenir ceci. Et on va faire pousser. Voilà, ici nous avons obtenu une nouvelle graine. Donc à mon avis, cette graine-là est déjà meilleure que celle-ci. Donc celle-ci, on peut la casser. On peut obtenir le blé et on peut obtenir ça. Celle-là, je la mets de côté. Donc du coup, cette graine-là, je vais pouvoir la planter ici et la cultiver. Donc bien sûr, on refait ce qu'il faut, ça veut dire l'accélérer. Donc on accélère cette pousse. Et du coup, on va refaire un nouveau croisement qui va être entre cette fleur-là et cette fleur-là. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir du coup démolir celle-ci. Donc je le fais à l'aveugle pour l'instant. Et obtenir du coup une nouvelle graine qui pourrait être nettement plus avantageuse, par exemple, que celle-ci et celle-là. Ce qui n'est pas forcément sûr. Hop. Ah, nous avons une mauvaise herbe. Là, la mauvaise herbe, il faut tout de suite l'enlever parce que ça peut vous pourrir un champ. Encore une mauvaise herbe.
Hop, nouvelle seed. Parfait. Cette seed-là, du coup, vous pouvez la planter ici et faire en sorte de la faire pousser avant que ça devienne une mauvaise herbe. Parce que la mauvaise herbe, ça peut vous détruire votre champ, mais une vitesse incroyable. Du coup, bah celle-là, on va la faire pousser jusqu'à maturité. Et du coup, au moment de l'autre croisement qu'on va se faire, on va laisser justement la pousse se faire tranquillement. Hop, allez. Allez, t'es bientôt à 100%. Voilà, t'es à 100%. La graine, on peut la mettre là parce qu'il y a une fienne. Et le blé. Du coup, ceci étant fait, il faut me refaire un croisement. Hop, on a obtenu une seed, c'est parfait, et on la laisse pousser celle-là. On va la laisser pousser, comme ça va me tenir le blé. Le blé va nous servir à remplacer les saplings, qui est bah, tout simplement à, comment, à faire de la dirt, tout simplement. Donc une fois que j'ai assez de dirt et de tout ça, je reviens vers vous, histoire de continuer un petit peu tout ça. À tout de suite. Bon, re les gens, alors on est en train de faire un petit truc particulier entre nous en fait. Parce que la cobble en fait c'est bien beau, mais c'est lent avec justement farm et autres. Enfin il pleut! Oh le pur bonheur, enfin! Enfin il flotte! Oh c'est un bonheur pur ça, c'est. Oh, c'est enfin quelque chose qui me fait plaisir, c'est qu'il pleut! Et du coup c'est en train de remplir ce fameux tank à une vitesse grand V! Comme pas possible, je pourrais même faire du limite du 3x3 en parlant de ça. Donc du coup, je vais faire ce qu'il faut. On va prendre hop comme ça. Ouais, bah normalement ça doit être suffisant. 2, 3, 4, 5. Voilà, ça fait 72 sauts et en plus ça récolte beaucoup plus vite parce que c'est une plus grande zone. Donc ça c'est parfait. Et du coup, bah, le blé, là, il est en train de pousser une vitesse quand même assez vite. Donc voilà. Alors, au niveau justement de ça, parce que ça, c'est très long à avoir, par ça, pour obtenir ça, pour obtenir ça. Du coup, on a rassemblé un petit peu nos points, donc nos cobbles, pour faire justement de la lave. Donc, tout simplement, de la lave, c'est une torche en dessous du crucible. Donc, c'est ce que j'ai eu, justement, grâce à la porcelaine que j'ai fait, du coup. Ici, donc quand on le fait cuire, ce truc-là, ça donne ça. Et le crucible là, vous mettez de la cobble dedans avec une torche en dessous, et c'est en train de faire justement ce qu'on appelle là de la lave. C'est comme ça qu'on obtient notre première lave. Donc c'est très lent. C'est un mini bucket par pas par tick, mais par auditique. Donc à la seconde, en fait, ça te fait 4, 3 ou 4, voilà. C'est assez long, mais on obtient nos premières cobbles comme ça. Premier seau de lave plutôt. Et du coup, on a fait un petit récipient tranquillement pour justement faire de la cobble illimitée ici. Alors, je pense que ça peut spawner. Ouais, de toute façon, ça va pas spawner après du fait que bah, du fait qu'on va être tranquille. Alors, il faut pas que ça spawn parce que si ça spawn, les zombies enlèvent toutes les torches et du coup, c'est l'anarchie globale. Heureusement que les cadres ne sont pas. Activé parce qu'on serait dans la merde. J'aime bien poser ça, moi. Faudrait que je tape avec pour obtenir un knockback suffisant. Donc, du coup, bah, là, Reddick est en train d'attendre. Donc, on va attendre avec lui afin justement de pouvoir faire nos premières cobbles illimitées. Voilà, ça c'est déjà un très bon point. Donc, du coup, qui dit cobble illimité dit gravel et gravel fer, et ainsi de suite. Vous connaissez la suite, hein. Au niveau des quêtes, bah justement, je le ferai plus tard du coup. À partir de 8 lés, ça fait une fire bucket. Voilà. Donc du coup, bah, ça c'est bon. Du coup, on attend ça. Bon, on attend tranquillement. Donc là, bah, ça fait allez, 16,0, 15, 7, 15, 4, 15. Voilà, donc ça va petit à petit. Par contre, si vous mettez par exemple du Nitor en dessous, donc de Tomcraft ou de la lave, ça fait un mining speed, melting speed de x4, je crois, ou x10. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc c'est comme ça qu'on peut obtenir justement nos premières sources de lave. Et ça serait bien qu'en fait dans Minecraft, en fait, qu'il y ait ça.
Pour obtenir notre première love, première cobble ou autre, c'est obtenir ceci. Donc là, on attend petit à petit. Et du coup, moi, on va pouvoir obtenir notre première cobble avec les hammers. Qui dit hammer, donc du coup, après, dit tranquillité. Et notamment, Ethan, il sera content. Parce que. Il obtiendra des dalles qui nous serviront, nous également, par la suite. Pour faire justement les quêtes là. Bon, bien sûr, nous, il va falloir faire la flower, mais on fera déjà ça. Du coup, on est en train de faire ce qu'il faut. 25. 20. 12. 'A récupéré ce qu'il faut. Allez, mets-le là. Ouais, c'était pas prévu là tout de suite. Voilà. Voilà, on a obtenu nos premières cobbles illimitées. Ou pas? Je crois qu'il s'est gouré en fait dans le système. Je crois qu'il s'est bien gouré. Attends. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'on obtient nos premières cobbles. Voilà. Donc du coup, c'est lui qu'il faut creuser. Voilà, et ça reboucher. Hop. Donc du coup, on peut mettre nos premières cobbles et du coup taper comme ça. Voilà. Donc on peut obtenir nos premières cobbles comme ça. Bon, bien sûr, il y a de la perte, ce qui est tout à fait no normal, mais on a tout ce qu'il faut. Merci pour la cobble. Merci pour la cobble. Voilà. Donc, bah du coup, on a nos cobbles. On va pouvoir passer au gravel. Voilà. C'était pas beau de poser de la cobble officiellement en grand nombre sans utiliser pourtant les fameuses pousses avec la dirt, tout le tralala. Donc, bien sûr, les hammers, on peut les passer en upgrade de cobble pour qu'ils aillent plus vite. En upgrade de fer et en upgrade de diamant. Bien sûr, la durabilité va aussi avec, hein, ce qui est tout à fait normal, parce que sinon, bah, vous n'en êtes pas sorti. Il y a les autonomous qu'on pourrait, sauf que les autonomous ont besoin d'énergie maintenant. Bah, depuis quelques versions, ça a besoin d'énergie. Donc du coup, on les fait à la main. Et du coup, on fait passer le gravier. Donc ça aussi, on peut le faire automatique. Mais du coup, on va le passer à la main. Je vous préviens que c'est quand même assez long. Donc c'est pour ça qu'on a nos premières cobbles, on est content, hein. Voilà. Donc, nous avons ça, nous avons... Ah, putain. On n'a pas encore ce qu'il faut, quoi. C'est sérieux tout ça. On n'a pas encore ce qu'il faut. Bon, du coup, on va passer à la vitesse supérieure. Non, ça, je vais pas le bouffer tout de suite. Je vais bouffer un peu de pommes. Voilà.
une cobble, deux cobbles. J'ai tout ce qu'il faut pour commencer à faire un hammer ici. Voilà, un hammer en stone qui nous permet justement de récolter directement ceci. Vous voyez, déjà ça va déjà plus vite. Et puis en plus on est dans le tempo, donc du coup on est tranquille. Bon, on va peut-être s'arrêter là quand même. On va passer du coup à la vitesse supérieure. Ah, le bac est rempli. 72 comment, 72 sauts là-dedans, c'est quand même pas rien. Hein. Donc ça c'est sympa. Donc du coup, bah on passe justement tout ça pour obtenir ce qu'il faut. Évidemment, nous n'avons pas non plus énormément de chance. Sinon c'était trop beau. La musique douce qu'on a depuis la bêta. Ou la alpha, je sais plus. Donc, non, c'est pas. Nous en avons 5. Enfin, nous avons ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4. Donc, du coup, hop. Ensuite, on doit passer à l'iron. Tac. Donc, on a une fois ça. Il faut passer au gravel. Donc, vous posez ça. Et stone. Qu'on obtient ceci. Qu'on doit faire ensuite l'iron dust, donc comme ça, comme ceci, et on a obtenu une chance en plus, hop, que nous obtenons ceci, et on peut claim, voilà, ça nous fait 5 iron de plus, et ça c'est quand même pas négligeable, donc voilà, et du coup après bah ça nous débloque des choses. On va du coup pouvoir faire de notre premier four. On va quand même aller à la cobble récupérer ce qu'il faut. Salut Redix. Voilà. Hop. 9, c'est parfait. On pose ça, on la pète. Voilà, c'est cool. On le passe dans le sieve. On fait notre premier four. Et on va voir Hot Topic. Ou pas. Ah oui, d'accord. Time to marm. Lol. Hop, notre premier four. Et du coup, on va pouvoir faire cuire nos premiers... nos premiers poissons. Et puis si vous voulez une poêle par dessus, c'est quand même bien. Enfin, la poêle, je vais la récupérer parce que ça peut servir. Hop là, notre premier poisson qui régène que un demi. C'est cool la vie. Voilà. Donc du coup, bah ceci t'en fait. Du coup, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé. Et puis en plus, la pluie s'arrête. C'est magnifique. Allez, bisous tout le monde.